de recevoir le Lambitou 3062, une espèce de faux Kaweco Sport, assez mignon, tout métallique. Alors, on dirait du bronze, ce n'est probablement pas du tout du bronze, ça doit être du laiton avec une espèce de laque dessus, très solide hein, apparemment. C'est très joli et c'est assez agréable et ça vaut 2,50 € livré. Donc on va pas se... Non, 3 euros. 3 euros parce que la livraison était payante cette fois-ci. Donc il y a un convertisseur qui est fourni. Donc en France, souvent, le convertisseur vaut beaucoup plus cher que 3 euros. Et que dire? Clip amovible, tout métallique, fait pour être posté sur les vrais Kaweco Sport. C'est fait pour être sporté. Là, le stylo devient lourd, hein, parce que le capuchon est quand même super lourd. Je me demande s'il y a un lestage au fond. Si c'est le cas, j'essaierai de l'enlever. Mais même la petite pointe ici, il a l'air vissé et ça a l'air d'être assez lourd. Cela étant, tenu comme ça, pour moi, il est très bien et c'est génial. Donc c'est le Lambitou. Il est marqué dessus. 3062. Alors, il y a plein d'autres modèles, il y a plein d'autres marques. Il y en a qui sont pas marquées, il y en a qui sont avec d'autres trucs. Là, c'est juste... collé dessus ou imprimé dessus ou donc bon ça s'en va pas mais c'est pas vous y fiez pas trop hein. Lambitou 3062 ils en font des milliers ils en font des millions c'est super bien fait honnêtement 3 euros on a un très bon stylo qui écrit très très bien qui est très doux qui est très confortable là sans le capuchon il est léger ah, moi j'aime beaucoup. Alors l'encre, c'est de la Noodler's Blue Black. Ça écrit merveilleusement, c'est vraiment vraiment doux. Ah, que dire de plus? J'adore, j'adore. En fait, hein, je l'utilise beaucoup plus que je ne pensais que je l'utiliserais. Donc voilà, à vous de voir. Je mettrai éventuellement un lien sur pour vous le prouver. Ah, ciao!